Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Monisco Réalité. C'est un programme produit par l'unité vidéo de la Monisco. Au menu aujourd'hui, la première phase de formation de 500 éléments de la police nationale congolaise intégrée au centre d'instruction de Kapalata, ici en province orientale. Il s'agit au fait de 500 éléments issus d'ex-groupes armés et du Nord Kivu. Mais avant de vous proposer ce reportage de Roliane Yulu, faisons le point de l'actualité. Célébration samedi 24 octobre 2010 à Kinshasa du 65e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Cette célébration a été placée cette année sous le signe de la paix et du développement. La Journée des Nations Unies était organisée par la MONUSCO en partenariat avec les autres agences du système des Nations Unies et les autorités congolaises. Prenant la parole à cette occasion, le représentant du gouvernement a salué les efforts consentis par les Nations Unies dans la pacification du pays depuis 1960. De son côté, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé la détermination de la MONUSCO à accompagner le gouvernement congolais dans la recherche de la paix, de la stabilité et du développement du pays. Les Nations Unies sont là pour aider le gouvernement à relever les défis auxquels ils sont confrontés, y compris les plus délicats d'entre eux. Je formule le vœu que la force de notre partenariat et notre dialogue constant et constructif permettent d'assurer une vie meilleure, le bien-être et un avenir prospère au peuple congolais. Deux jours après leur arrivée au centre d'instruction de Kapalata, les 500 éléments de la police nationale congolaise intégrés, candidats à la formation dont 34 femmes, ont commencé à être identifiés. Cette identification consistait à remplir pour chacun d'entre eux des formalités administratives. Les informations ainsi recueillies devraient permettre à l'UNPOL ou la police des Nations Unies de démarrer la formation proprement dite de ces éléments intégrés selon un standard international. D'autres détails dans ce reportage signé Roliane Yulu. La réforme de la police nationale congolaise, il en est question aujourd'hui. Nous sommes ici au centre de Kapalata, Kisangani, où 500 éléments intégrés, dont 34 femmes venues du Nord Kivu, reçoivent une formation de base selon le standard international. Et dans ce reportage, nous allons vous faire découvrir la première phase de cette formation. Suivez-moi, on va voir de plus près. Cette première phase-là, depuis hier, on a commencé par la phase administrative, à savoir, en tout cas, les identifier, leurs noms, leurs prénoms, leur situation matrimoniale, leur niveau d'instruction, pour savoir comment réajuster la formation. C'est du ressort des autorités congolaises, parce que l'accord que les autorités congolaises ont eu avec les différents partenaires, il était avec les accords de Goma, il fallait intégrer les différents groupes armés, donc c'est en prévision de ça qu'ils ont fait leur choix. Donc nous, la MONUSCO, on se charge de la formation de ceux-là que le gouvernement congolais nous présente. Dans les groupes de Simba Mai Mai. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour venir ici, pour intégrer cette formation? Pour intégrer, nous avions été en contact quand le gouvernement nous avait négocié. Nous sommes venus volontairement, comme vous venez de nous voir ici. Nous avons reçu l'ordre de notre hiérarchie, d'être intégrés et puis de venir suivre la formation. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous promettez de faire pendant ces 6 mois de formation? Bon, on a visité l'endroit. Qui nous semble parfaitement bien. Et maintenant, nous aménageons dans nos différents endroits. Il y a 34 femmes ici. Bah, est-ce qu'elles aussi elles étaient des groupes armés, dans des groupes armés? Je crois bien. Et on va parler avec quelques-unes. Elles vont parler? Oui, elles vont parler. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des gens qui ont travaillé dans la formation à Tesapas?
Et ça pas cité. Mais l'équipe on a pour travailler, tout ça la formation, peut tout long. On sait combien de temps on a Moussala au 4 ans. Au Kenya, il y a volonté, na homo bien te rien comme ça. On linga Moussala mingi. Na linga kango mingi. On a un groupe nini, groupe armé nini. Na zaki na groupe nani groupe par école à Fontaine. Na sepeli ko biva na Zamba, po Zamba to nyoko to banyoko to zonyo kwa ma to zonyo kwa na Zamba. O ba pesa kabiso bilete. Sa vote me koiba kaka nde tika nde za na Zamba ko le ambongo ba civile ko sala biloko oyo ko bunda mikolonyoso ba soda ya gouvernement to bundi sa bango mikolonyoso nde tiki to bi na Zamba. Tango ba komona biso tango to kobima kotio yo ba komona biso lokola to to komi batwa gouvernement nde bango pe ba kozana na posa ya kobima na Zamba bala ndela biso pe ba batebele bazaka kakuna. Voilà, vous venez de le voir, ces gens, ces femmes, elles ont vécu dans des conditions très difficiles dans leurs groupes armés. Elles ne demandent qu'une chose, que leur voix soit entendue, qu'elles vivent mieux et qu'elles retournent d'où elles viennent pour que les autres, celles qui sont restées là-bas, voient comment elles sont devenues, comment elles sont maintenant au service de la population, afin que et les autres aussi puissent venir auprès du gouvernement et que la guerre se termine pour de bon. Ce reportage démontre l'intérêt que ces ex-combattants attachent à leur formation pour leur avenir et celui de leur métier. Sans le cacher, ils affichent leur détermination à se mettre au service de la paix et de la sécurité, non seulement pour leur province d'origine, mais pour tout le pays. C'est tout le sens de l'appel qu'ils lancent à leurs anciens compagnons restés dans différents maquis à venir les rejoindre pour servir la cause de la vie. C'est la fin de mon Isco Réalité. Merci de votre attention et à très bientôt.